Salut à tous et à tous, c'est Zoki06. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Far Cry 4 parce que j'ai enfin réussi à capturer le fort D. C'est le fort de Doppler. Ah oui, j'ai quelque chose à vous dire. Vous voyez, j'ai fait une introduction YouTube, mais elle est sur mon ordinateur et je ne peux pas la mettre sur la PS4. Et c'est sur la PS4 car il y a un logiciel de capture d'écran que je capture mes vidéos. Donc je pourrais mettre mon introduction YouTube que par exemple si j'achète une Roxio Game Capture Pro ou Never Media spécial pour la PS4, alors que là j'en ai qu'une pour la PS3. Donc je mettrai mon introduction que quand je ferai des vidéos sur PS3. Donc voilà, ça je voulais vous le dire. Alors revenons au vif du sujet. Alors je vais vous expliquer un peu comment le capturer parce que je suis assez content de l'avoir capturé moi-même. Alors déjà vous devez monter sur la toute petite colline, vous voyez, sur laquelle je suis monté. Et bien sûr, par contre, ça c'est très important, il faut avoir un sniper, parce que sinon vous pourrez rien faire. Si vous avez qu'une mitraillette ou qu'un pistolet, vous ne pourrez jamais réussir. Enfin, pas comme ça en tout cas, parce qu'avec le sniper, ah oui. Et essayez de l'avoir avec un silencieux, sinon les gardes seront tout de suite alertés. Ils sonneront l'alarme pour que des renforts viennent. Donc vaut mieux prendre avec silencieux. Là aussi j'ai une lunette améliorée, donc je peux viser plus loin. Donc, je vais essayer de me faire le chien. Voilà, vous voyez, j'ai raté encore. Voilà, alors la technique, je vous expliquais vite fait comment la faire. Alors au début, il y avait un... Enfin, si vous prenez du même endroit où je suis arrivé, il y a un garde qui est au sniper, donc il faut le tuer en un headshot, il est mort, vous en faites pas. Après, il y aura un autre garde qui va se précipiter pour aller voir le cadavre, vous le tuerez. Et après, vous le tuerez au fur et à mesure, selon leur position. Le mieux, c'est s'ils sont tout seuls dans les endroits où les autres ne les voient pas. Ça, c'est mieux. Mais sinon, ben... Essayez, hein. Si cette technique ne vous plaît pas, trouvez une autre technique, hein, parce que je pense pas que c'est forcément la meilleure. En tout cas, moi, c'est celle avec laquelle j'ai réussi. Donc, si ça vous intéresse, ben, faites la même. Voilà, c'est pour ça qu'elle est bien, cette petite colline, parce que, vu que le fort, il est en bas, s'il y en a qui commencent à vous repérer, vous avez juste à reculer, et ils ne vous voient plus. Et vous les voyez toujours à travers les murs. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Un conseil sur les gardes comme ça avec un casque un peu. Il vaut mieux mettre des headshots parce que sinon il ne meurt pas. Alors après, quand on aura tué les gardes qui seront dehors comme ça, je vais vous montrer un peu. Bon, déjà lui c'est un peu un marathon là. Le mec. Il va se planquer. Voilà. Bref, il faut tous leur faire mettre des headshots à eux. Et ensuite, par exemple pour tuer les mastodontes, ceux qui ont des gros casques. Et qui ont des gilets pare-balles, il faudra d'abord couper les alarmes, comme ça vous pourrez tuer tranquille. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Voilà. Bon, alors vous voyez, ils sont juste là, juste dessous là. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Je vais sauter par-dessus, je vais sauter sur le toit là, juste en face. Voilà, ils m'ont repéré, mais pas trop, donc c'est bon. Ce qui va me donner le temps de pouvoir désarmer les alarmes. Enfin, les éteindre en tout cas. Voilà. En tout cas, moi, il n'y en a que deux là que j'ai éteintes. Non, je vais pouvoir me faire les mecs. Bon, lui, il bug, hein. Oui, il y a deux mastodontes. C'est pour ça qu'il fallait mieux les couper, les sirènes. Donc, la technique, hein, avec le E, faut lancer des grenades ou bien des cocktails Molotov. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez. Allez, ciao.